Aber du bist mit anderen zusammen auf der Bühne. Richtig. Und die sind ja nicht dir fremde Personen. Nein, 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 ich wollte nur... Mon instrument, c'est la voix. C'est mon seul instrument. Mein Werkzeug ist nur eins. Wie hast du denn deine Stimme entdeckt? Si j'ai découvert ma voix, c'est à cause de mes parents. Und du bist ihnen gefolgt? Ce sont mes parents qui m'ont obligé à parler. C'est comme ça que j'ai découvert ma voix. À l'époque, je n'avais pas le choix. Ils m'ont obligé à parler, puis à prendre des décisions. J'avais beau regretter les décisions que j'avais prises, il était trop tard. Non, je ne pouvais plus revenir là-dessus. Oui, je m'étais imaginé qu'en parlant, j'aurais la liberté de choix, que je pourrais décider librement. Tu veux tout savoir? Wenn du sie mir anbietest, benutze ich sie, aber ich benutze nicht jede mögliche. Nein, in dem Moment schon berechenbar jetzt. Ich te vois venir. Tja, warum sollte ich es denn zurücknehmen? Du hattest ja die Entscheidung. Na gut, also dann, als ich dann meine Stimme entdeckt habe. J'ai découvert ma voix, quand on m'a obligé la découvrir et à l'utiliser. Après, je ne pouvais plus revenir là-dessus. Même si pendant 15-20 ans de ma vie, j'avais refusé de dire un seul mot, on aurait toujours pu me reprocher d'avoir parlé au moins une fois. Aber sprechen, ja, reden, ja. Nachreden, nachreden ist eines. Singen ist etwas anderes. Ja. Das müssen wir noch nicht. Parler, chanter sont des choses différentes. Chanter, c'est autre chose. Nein, diese Trivialität, auf die will ich nicht ab, ja. Sondern die Entdeckung der eigenen Stimme als Singstimme oder als Gesang oder als Taumel. Das ist doch ein weiterer Schritt. Mais je ne suis pas obligé d'en parler à tout le monde. Enfin, ce que je peux dire, c'est que là encore, c'est la faute de mes parents. C'est en criant que j'ai appris à chanter. Crier, c'était comme ça qu'on communiquait dans ma famille.